Réveil, tranquille, en train de boire mon café. Je suis pris d'assaut. Ah, faut faire des cartons. Allez, je suis demandé 1 heure. 1 heure à fond. Toi, tu te levais à 8h. T'es en pleine bourre. Moi, je viens de me lever là. Non, tu t'es levé il y a 1 heure. Ça fait 1 heure que t'es sur ton téléphone à traîner dans le lit ou sous la douche. Ça va 1 heure, non? Comment ça va 1 heure? C'est pas eu le temps d'héberger, quoi. Tu veux gérer mes heures d'émergage maintenant? 1 heure, ça va? Émergeage, je suis pas sûre que Ça ça soit va, le une bon heure, mot. c'est bien. Allez, maintenant tu fais des cartons. Ah bon? Je fais des cartons, les fratés, je me pose une question. Est-ce que vous pensez que la mode des loup-boutins pour hommes va revenir? Parce que j'ai des chaussures, elles sont vraiment exceptionnelles. Je suis pas sûre que celle-là, elle ait déjà été à la mode. Je suis pas sûr qu'un jour elles ont été à la mode. Dis-moi Je pourquoi les t'as ai achetées il y acheté. a combien de temps ça? Je sais pas, mais pourquoi t'as acheté ça? Je les ai achetées il y a 7 ans peut-être. Elles ont minimum 6 ans. Mais qu'est-ce que je me suis dit au magasin quand j'ai acheté ça? Je vais les mettre un jour ou pas? Parce qu'elles sont neuves, hein. Elles n'ont jamais été portées, hein. C'est new, hein. Je les ai achetés il y a 6 ans. Faut le faire. Hein. Les fratés, c'est la galère. Je me suis bloqué le cou ce matin. Ma fille, elle m'a soigné, elle m'a mis un pansement. Et le problème, c'est que l'ostéopathe, elle n'a pas de rendez-vous avant demain matin 10h. Ah, je souffre. J'ai tarpé mal. Personne qui me soigne. Personne ne me soigne mon cou, j'ai trop bobo, personne. Personne, personne ne me soigne. C'est papa sur le canapé, bobo, et personne qui me soigne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir me soigner, peut-être. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Oh, que j'ai mal. Oh, oui. Il me faut un docteur. Il me faut un docteur. Docteur. Ah, il n'y a pas de docteur ici ou quoi? Aïe, 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 que j'ai mal. Ouh, 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 mon cou. Personne ne me soigne, bordel. Pourquoi personne ne m'aide? Je vais pleurer maintenant. Aïe, aïe, aïe. Problème, c'est que même avec ma douleur, papa, il doit porter Bubu, hein. Parce qu'elle a mal à ses jambes, la pauvre. Donc même si papa, il a le cou bloqué, c'est pas grave, pas vrai? Ça sert à ça, hein, papa. C'est la vie. Comment tu dis c'est la vie? Je sais pas. Bah, c'est la vie. Ah. Là, quand on arrive au corner Kenji, elle marche, hein? Oh là là! Tu crois que tu es assez couverte là? Tu veux pas mettre ta veste par-dessus? Allez, la veste, allez! Allez, on met la veste, allez! Allez, vas-y! Mets tes petits skis maintenant, hein? Oui! One! And! Ouais, c'est bien ça. Bravo! Allez, les pâtés, c'est parti, Angelina, allez passer sur la grande piste là. Allez, allez, bubu, allez, bubu, allez, allez, bubu, allez. Les fatigues, à chaque fois que je viens, je suis obligé de craquer et de passer par la case crêpe au Nutella et chocolat chaud. Je suis obligé, c'est plus fort que moi. Voilà. Il fait vraiment froid. En fait, le truc, c'est qu'à la montagne, au ski, il y a le soleil, genre dehors. Là, il n'y a pas de soleil, frère, il fait froid. Il fait froid, les gars, il fait froid. Mange ta petite crêpe, tu te régales. Et c'est bientôt quoi là? C'est bientôt quoi?
Halloween. Wow. Oh là là. C'est énorme ce truc, c'est énorme. Allez les fratés, franchement, je suis trop content. Parce que du coup, demain, je devais avoir l'ostéopathe. Je me suis bloqué, je ne vous dis pas dans quel état je suis. J'ai tapé mal, donc du coup, bon bref, avant de parler de demain, je vous parle d'aujourd'hui. Angelina, elle voulait absolument que j'aille avec elle au ski. J'avais qu'une envie, c'est de rester à la maison et de ne pas bouger. De rester comme ça. Et elle voulait pas, papa, s'il te plaît, viens au ski, t'es allé avec Thiago hier, viens au ski. Du coup, je suis allé au ski. Et bref, du coup, demain, je dois avoir un rendez-vous à 10h du matin à l'ostéopathe. Et du coup, elle m'a écrit ce soir, elle m'a dit, empêchement, rendez-vous demain matin à 9h. Là, 9h avec les bouchons et tout, ça aurait voulu dire qu'il fallait que je parte de chez moi à 8h du matin. Là, je me suis dit non, mais quelle galère et tout. J'ai dit bon, ben, ok, hein, si j'ai pas le choix, ok. Et du coup, là, elle vient de m'envoyer un message. J'ai eu une annulation. Je vous prends dans l'après-midi. Oh, comme j'étais content. Oh, elle m'a refait ma soirée, là. Ah, elle a pas refait ma douleur, mais elle a refait ma soirée. Oh, comme j'étais content, les gars. Ah. Ah. Qu'est-ce que tu as encore? T'es toujours malade. Qu'est-ce qu'il a, lui? Réveil, tranquille, en train de boire mon café. Je suis pris d'assaut. Ah, faut faire des cartons. Je vais demander une heure. Une heure à fond. Et toi, tu t'es levé à 8h. T'es en pleine bourre. Moi, je viens de me lever, là. Non, tu t'es levé il y a une heure. Ça fait une heure que t'es sur ton téléphone à traîner dans le lit ou sous la douche. Ça va, une heure, non? Comment ça va, une heure? C'est pas eu le temps d'héberger, quoi. Tu veux gérer mes heures d'émergage, maintenant? Une heure, ça va? Émergage, je suis pas sûr que... Ça va, une heure, c'est bien. Allez, maintenant, tu fais des cartons. Ah bon? Les cartons, les fratés, je me pose une question. Est-ce que vous pensez que la mode des loups boutins pour hommes va revenir? Parce que j'ai des chaussures, elles sont vraiment exceptionnelles. Je suis pas sûr que celles-là, elles aient déjà été à la mode. Pas sûr qu'un jour, elles ont été à la mode. Je les ai achetées il y a combien de temps, ça? Je sais pas, mais pourquoi t'as acheté ça? Je les ai achetées il y a 7 ans, peut-être. Elles ont minimum 6 ans. Mais qu'est-ce que je me suis dit au magasin quand j'ai acheté ça? Je vais les mettre un jour ou pas? Parce qu'elles sont neuves, hein. Elles ont jamais été portées, hein. C'est new, hein. Je les ai achetés il y a 6 ans. Faut le faire. Hein.